On est parti un mois en Alaska avec le groupe d'excellence alpinisme national de la FFCAM, la Fédération française des clubs alpins de montagne. On a fait 3 semaines sur le glacier de Tocosina, donc au pied du mont Huntington. On a eu une météo assez difficile, donc on a eu 15 premiers jours de mauvais temps. Donc beaucoup de neige, on a eu 4 mètres de neige en cumulé. Donc il a fallu être patient et attendre le créneau qui a finalement pu arriver, donc au bout de 15 jours. On s'est lancé du coup par groupe de 3 ou 4, chacun sur une voie, donc on avait 3 lignes. Sur le Mount Huntington, la Harvard Route, Polar Chrome et je m'en souviens plus, la dernière, Polar Chrome, Harvard et... Ça marche. Donc chaque groupe est parti dans sa voie, donc on a fait 3 voies. Moi j'étais dans la Harvard Route, donc c'est une voie qui a été ouverte en 1965. Donc on l'a fait sur 2 jours, on était 4. C'est une voie qui est. C'est un peu la classique du Mount Huntington. C'est une voie qui est assez complète. Donc il y a des pentes en neige, des longueurs de mixte, une longueur d'artif et des longueurs de glace pour finir. Nous on l'a fait en 2 jours. On a fait le premier jour jusqu'au pied du Nose. Donc c'est vraiment un peu le crux de la voie, la longueur d'artif en A2. Il y a 4 longueurs de mixte, qui est aussi entre M5 et M6, et après c'est pas mal des pentes en neige, pas mal de pentes en neige. Nous, on a eu beaucoup de neige les semaines précédentes, donc on a été beaucoup ralenti dans les pentes en neige. C'était long de faire la trace pour pouvoir faire l'ascension, voilà. Ensuite, le mixte, c'était vraiment assez sympa, donc ça ressemble un peu à Cham. C'est du granit comme Chamonix. Qui protège bien. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et ensuite, on est arrivé le soir du coup au pied du Nose. Donc pendant que les autres étaient en train de terrasser pour faire le bivouac, moi j'ai fait la longueur d'artif que j'ai fixée pour le lendemain. Donc c'est globalement à deux. J'ai essayé de la libérer en mixte, mais je me suis vite pendu au coinceur. C'était un peu dur. C'est un gros toit où on fait des verrous de tête de piolet. Donc c'était assez difficile. Du coup, après, je l'ai fait en artif. Voilà. Et le soir, on a dormi au pied du Nose, au bivouac que les autres étaient en train de préparer. Le lendemain, on est remonté sur les cordes qu'on avait fixées sur cette longueur d'artif. Et après, on a continué. Donc, ça a fait une longueur de mixte après le Nose. Des pentes en neige sur 150 mètres. Une grande traversée à droite pour rejoindre ensuite le sommet de la voie. Et donc, on finit par 5 longueurs dans de la glace à 70 degrés, 60-70 degrés. Donc, voilà. Et au sommet, on n'a pas pu atteindre le sommet, donc on s'est arrêté sur l'arête sommitale, 40 mètres sous le sommet, parce qu'on a été pris un peu dans la tempête. Et c'était un peu difficile d'atteindre le sommet avec il y avait une grosse crevasse et on y voyait, il y avait très peu de visibilité. Donc on a préféré rebrousser chemin et ensuite on a fait la descente qu'on avait équipée à la montée. Donc deuxième jour, une grosse journée bien bien fatigante. On a fait 20 heures jusqu'au camp de base. Donc depuis le bivouac jusqu'au camp de base, 20 heures. Donc c'était assez long. Et surtout on a eu beaucoup de neige du coup le deuxième jour. On a eu assez mauvais au final. Et les dernières pentes avant de rejoindre le camp de base commençaient à être bien chargées. Donc c'était le bon choix et il fallait pas traîner. Voilà. Alors le géant, c'est le groupe excellence d'alpinisme national de la FFCAM, de la Fédération française des clubs alpins de montagne. Donc c'est un groupe dont les sélections ont lieu tous les 2 ans. Donc la durée de la sélection, c'est 2 ans. Donc pendant ces 2 ans, on a des stages avec les différentes pratiques de l'alpinisme.
Donc ça, ça peut être de l'artif, de la glace, du rocher en terrain d'aventure, du mixte, des grandes faces nord. Tous ces stages qui nous préparent pour l'expé final qu'on fait ensuite et qui clôt ces deux ans du groupe. Donc on a fait un premier stage le printemps dernier dans le Verdon, à la Castapiane, donc d'Artif. Cet été on était dans les Dolomites, ensuite cet hiver on était en Norvège et on a fini en Alaska au printemps. Voilà. Donc les encadrants, c'est Christophe Moulin surtout, donc, qui chapeaute un peu tout le groupe. Et après, on a différents intervenants suivant les stages. Donc, en Norvège, on a eu Titi Jantet et Patrick Pessy. Et sinon, c'était Damien Tomassi et Mathieu Détry. Alors, avec Silao, on a été équipé par Silao pour l'expédition et les stages. On a eu un sac XP 30. Donc c'est un sac de 30 litres qui fait 300 grammes, donc qui est très léger, très épuré, et c'est vraiment important pour en expédition d'avoir vraiment le moins de poids possible à porter. C'est ce qui permet d'aller plus vite et de faire la croix, quoi. Voilà. Ensuite, pour la Norvège, on avait un Papang 5D. Donc c'est les nouveaux sacs Silao de 37 litres. Donc qui sont un peu plus accessoirisés, avec une matière un peu plus robuste. On peut y mettre deux piolets traction, voilà. Et c'est pareil, donc le poids est vraiment allégé au maximum. On a des bretelles qui sont un peu plus confortables que sur l'XP 30 et qui permettent vraiment un portage aisé. Pour la Norvège, c'est vraiment ce qu'il nous fallait pour la journée.